une histoire de famille, ça, le festival. Ben, c'est une histoire de famille. C'est toute une histoire de famille, de village. Un village qui est une famille. On est 132. Observe mes mains, voir c'est comme des vagues les jours. Cette année, c'est quand même assez particulier. Hein? C'était costaud. Là, c'est un monument pour nous autres, en fait, qu'on a construit il y a 36 ans, là, dans la boutique de forge de mon grand-père, puis qui s'était modulé au fil des années. C'est une belle claque, mais quel support de la communauté artistique, de la communauté des citoyens des villages, puis de Québécois, puis de tout. On a vraiment eu des shows magnifiques. Ça a été vraiment, ça a donné le coup d'envoi rapidement. Il y a une mobilisation assez exceptionnelle du milieu culturel. Ça dénote l'importance du festival, ça dénote historique, cette volonté, c'est comme dans les gènes. Et donc, dans ce sens-là, c'est une belle illustration de la culture québécoise, parce que presque tous les chansonniers sont passés par ici. Évidemment, les embûches et puis les circonstances qui sont produites. Ouais. Félicitations, vous êtes relevé avec vraiment une détermination, une volonté hors du commun. Oui, mais ça prend du soutien. Puis vous avez été là au bon moment. Merci d'être là autant pour que l'entreprise que toi, tu prennes la peine de venir en Gaspésie nous voir. J'adore. Un aller-retour, c'est magnifique.